Ông quý chọc. Ông nhìn mình đây. Cảm ơn tôi phải dùng đại ca này tệ phí sạm mạc ca. Ngày tôi tận đích bắt đầu bị ca dùng tới cổng tâm năng sạp đấy nhá. Nên bây nên ông cảm ơn tôi ca tăng xâm lụt đến đầu dịp vô xã xây. Merci, Monsieur le Président. Je vais reprendre les questions à Monsieur le témoin, là où mon collègue s'était arrêté tout à l'heure. Peut-être quelques questions de suivi d'abord. Monsieur le témoin, vous avez dit être arrivé en février 1978 sur le site de construction ou d'excavation des canaux relié au barrage du 1er janvier. Pouvez-vous nous dire jusqu'à quand vous avez travaillé sur place et est-ce que vous avez travaillé de manière ininterrompue? Et combien de temps avant l'arrivée des Vietnamiens ce canal a pu être terminé? J'ai entendu 2008, mais j'ai compris que ça devait être 1978. Est-ce que c'est bien cela, août 1978? Très bien. Parmi le groupe de 500 personnes que vous deviez diriger, 500 jeunes hommes, est-ce qu'il y avait des gens qui appartenaient au peuple nouveau? Est-ce qu'il y avait également des gens qui étaient des Cham? Lorsque vous dirigez ces 500 personnes, et vous avez dit que c'était forcé, vous avez dit tout à l'heure que vous receviez des ordres ou des instructions de la part de vos supérieurs. Est-ce que vous deviez organiser vous-même des réunions pour transmettre les instructions que vous aviez reçues de l'échelon supérieur? Est-ce que les 500 personnes dont vous avez parlé constituaient l'ensemble des hommes de la commune de Baleng qui travaillaient sur ce site de construction des canaux?
Bien, à propos des réunions, est-ce que vous deviez également participer vous-même à des réunions de critique ou d'autocritique, ou bien deviez-vous présider ce type de réunion pour votre groupe? Est-ce que les travailleurs eux-mêmes avaient ce type de réunion avec leur propre chef d'unité? Et si c'était le cas, à quel moment de la journée cela devait-il se tenir? Vous avez parlé tout à l'heure de réunions auxquelles vous avez assisté. Est-ce que le chef de commune ou le chef de district vous a expliqué ou vous ont expliqué pourquoi il était nécessaire pour le régime de construire le barrage du 1er janvier et les canaux qui le reliaient? Est-ce que lors de réunion vous a dit à quoi le riz supplémentaire qui aurait pu être récolté à la suite de la construction de ce barrage était destiné? Est-ce qu'on vous a dit que du riz serait exporté? Ces camions, vous les avez-vous vu partir en quelle direction? Est-ce qu'ils déchargeaient toute la production au sein de chaque commune ou bien était-il destiné à prendre une autre direction? Oui, Monsieur le Président, à nouveau, j'interviens, comme souvent avec Monsieur le coprocureur, pour lui demander de laisser ses questions ouvertes et de ne pas faire des choix multiples de réponses dans sa question. Les deux dernières phrases étaient superfétatoires. Je ne vais pas répondre, Monsieur le Président, puisqu'on est pressé par le temps. Simplement, savez-vous où les récoltes étaient emmenées à partir des champs de riz qui étaient cultivés dans votre commune ou dans votre district?
Merci. Durant votre travail sur place, c'est-à-dire, si j'ai bien compté, à peu près 6 ou 7 mois, est-ce qu'il y a des autorités de la zone ou des autorités du régime venant de Phnom Penh ou encore des étrangers qui sont venus visiter le site de construction du canal sur lequel vous travaillez? Bien, nous allons revenir sur leur nom un peu plus tard. Lors des réunions à la commune, au district ou au secteur, vous pourrez peut-être nous préciser quel type de réunion vous avez, à quel type de réunion vous avez assisté. Est-ce que vous avez entendu les échelons supérieurs vous parler du concept des ennemis? Est-ce que vous pourriez préciser quelles étaient les différentes personnes qui vous ont parlé de ces concepts de Et que vous disait-il sur le sort qu'on réservait aux ennemis sous ce régime du Cambodge démocratique? Qu'en faisait-on des ennemis? Donc lorsque ces chefs de secteur ou chefs de district parlaient des ennemis, est-ce qu'ils se référaient en particulier aux ennemis qui pouvaient saboter la construction du barrage du 1er janvier ou des canaux environnants? D'accord. Sur le site de construction du canal relié au barrage du 1er janvier, est-ce que vous avez vu de vos propres yeux une ou plusieurs personnes être arrêtées? Et quel âge avait cette personne, ce travailleur?
Est-ce que vous avez appris pourquoi ce travailleur avait été arrêté par les forces de sécurité? Je voudrais juste citer un instant ce que vous avez dit, qui était légèrement plus précis. Dans votre procès verbal d'édition E3/52-65. Alors en Khmer, c'est 00-27-13-97-98. En français, 00-48-29-24. Et en anglais, 00-28-23-4-6. Vous avez dit ceci. Un jour, j'ai vu de mes propres yeux l'arrestation d'un enfant de l'unité itinérante. Il avait juste bavardé et il a été arrêté par les agents de sécurité interne du lieu du travail. Il a été appelé de son poste de travail pour aller jusqu'au sommet du barrage où il a été publiquement arrêté. Fin de citation. Est-ce qu'il était donc interdit de bavarder ou de s'arrêter de travailler sans autorisation sur le site de construction sous peine de sanction des forces de sécurité? D'accord, vous nous avez dit que ces agents de sécurité venaient du district. Est-ce que vous avez pu apprendre de quelle zone du pays ils étaient originaires? Est-ce que vous avez jamais revu cette personne qui a été arrêtée ou est-ce que vous avez appris ce qui lui est arrivé? Vous venez de dire ceux qui étaient arrêtés. Vous avez mentionné l'arrestation d'une personne que vous aviez vue. Est-ce que je comprends que vous avez vu ou entendu que d'autres personnes étaient arrêtées sur le site de construction? Peut-être pas dans votre unité, mais peut-être dans d'autres unités. Pour autant, est-ce que vous avez entendu que d'autres personnes ont été arrêtées? Est-ce que vous avez entendu que d'autres personnes ont été arrêtées?
D'accord. J'en reste plus ou moins au site de travail de construction des canaux et du barrage. Mais tout à l'heure, je vais revenir à ce qui a pu se passer dans votre village. Et une précision maintenant, est-ce que le village de Tra, dans la commune de Baleng, disposait-il d'un centre de sécurité? Et si oui, comment s'appelait-il? Est-ce que c'était près de la pagode ou bien c'était à l'intérieur de la pagode de Barai-Chon-Dak? Est-ce que vous avez appris lors de réunions ou bien lors de discussions ce qu'on faisait avec les gens qui étaient détenus à Wat Barai Chon Dak? Thank you, Mr. President. There is no connection between the security center in Barai Chon-Dak Pagoda and the work site. In addition to that, it's outside the scope of this trial of this segment. So, also in considering the time, I think the prosecution should move on. Monsieur le Président, si je peux répondre, on a déjà eu ce débat devant cette chambre, il a déjà été établi qu'on pouvait poser des questions en relation avec Wat Barai Chon-Dak, et je le ferai à double titre. D'une part, parce que d'autres témoins ont établi un lien avec le site de construction, et d'autre part, parce qu'il y a, et nous allons y revenir tout à l'heure, eu des purges dans la commune de Baleng également. អញ្ចឹងហើយបានជាខ្ញុំសួរនោះបាទអញ្ចឹងបដិសេធនៅក្នុងចំទាស់របស់មេធាវីការពារក្តីលោកនុនជាហើយការនេះគឺពិតដោយតំណាងសហប្រញ្ញារងអន្តរជាតិបានលើកឡើងមែនគឺយើងបានតម្រេចរួចហើយកំណត់គឺភាពពាក់ព័ន្ធនៃបារាយជនដែកទៅនឹងអង្គហេតុទំនប់មួយមករានេះសាក់សីឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរដែលសួរដោយតំណាងសហប្រញ្ញាអន្តរជាតិបើមិនបើចាំសំណួរបើអត់ចាំទេសូមឲ្យតំណាងសហប្រញ្ញាអន្តរជាតិ Ma question, monsieur le témoin, était de savoir si vous aviez appris ce qu'on faisait aux gens qui étaient enfermés à Wat Barai Chon-Dak. Bien, est-ce que vous avez jamais participé à une réunion tenue vers la fin du régime à la pagode de Wat Barai Chon-Dak? ខ្ញុំធ្លាប់បានចូលប្រជុំប៉ុនសន្តិសុខនោះដល់ពេលសារាចរគណៈ 307គេលើកលែងទោសអ្នកផាន់ច្រឡំចូលខ្សែ C A K C B សន្តិសុខនោះគេរើចេញហើយគេប្រគល់ឲ្យមកថាកវិញ D'accord.
D'accord. Lors de cette réunion, est-ce que vous avez pu observer des traces indiquant que ce centre avait servi de centre d'exécution? ធ្លាប់ឃើញចូលទៅប្រជុំនៅក្នុងជញ្ជាំងព្រះវិហារនិងសាលាឆាន់មានឈាមប្រឡាក់ដិតដាមនៅជញ្ជាំងខ្លះនៅដិតដាមមិនលោកតន់លោកអស់ទេដែលខ្ញុំចូលទៅហើយនឹងមានកណ្ដាលចាស់ចាស់ខោអាវរហៃនៅតាមដីធ្លីនឹងជាកនៅដុកដោយដុំដុំ Est-ce qu'à l'époque, il y avait une odeur de charogne qui régnait encore sur place? Pour en revenir au canal lui-même, est-ce qu'il y a eu, à l'époque, je sais que le canal n'était peut-être pas si haut, mais est-ce qu'il y a eu des accidents qui se sont produits, par exemple des éboulements de terre qui auraient pu ensevelir ou blesser des travailleurs sur place? Est-ce que ces travailleurs étaient emmenés à l'hôpital et est-ce qu'ils revenaient toujours reprendre leur place au sein des unités de travail? Bien, tout à l'heure, vous avez dit que des abris avaient été construits tout près du canal pour abriter, pour permettre de loger les travailleurs. Est-ce que vous pourriez nous décrire en quelques mots ces abris? Et en quoi étaient-ils construits? Est-ce que c'était solide? ពួកកងចល័តនៅគឺគេសង់អំពីកូនឈើហើយក្រងចម្បាំងប្រក់ឲ្យហើយកន្លែងដេកនៅខ្លះដេកលើធ្នើខ្លះមានរឹងដេកចងរឹងខ្លះមានកន្ទេលក្រៅទៅដេកហើយកើតខ្នើយកើយមានបាឡូកើយជំនួសប៉ុណ្ណឹង Vous avez travaillé sur place en pleine saison des pluies. Est-ce que les toits étaient-ils étanches ou non? Pourriez-vous également décrire les vêtements des travailleurs? En quel état étaient-ils? Quand on a eu un peu de temps,
Et quant à la nourriture, comment était la nourriture en quantité, mais aussi en termes de qualité? Est-ce que la nourriture qui était fournie était de nature à permettre aux travailleurs d'effectuer leur travail? Est-ce que les chams des différentes unités qui travaillent sur le site, quand il y avait du porc, même si c'était rarement, devaient en manger? Quelle était l'eau que buvaient les travailleurs? Est-ce que c'était de l'eau propre à la consommation, potable ou non? Est-ce que vous pourriez nous dire si le personnel soignant qui était peut-être sur place était qualifié et disposait des médicaments nécessaires? Est-ce qu'il y a eu des gens qui étaient trop malades et qu'on a dû transférer à l'hôpital? Et dans ce cas, est-ce qu'ils sont chaque fois revenus? Ou bien vous les avez plus revenus? Bien, je vais maintenant passer à un autre sujet qui est celui de ce qui est arrivé au peuple nouveau dans le village de Tchemankul d'où vous êtes originaire. Est-ce que vous avez bien travaillé à ce village de Tchemankul
dans la commune de Baleng entre 75 et 79 à un moment donné. Lorsque vous travaillez au village de Chemongkul, est-ce que vous avez vu des gens du peuple nouveau qui avaient été évacués et qui sont venus s'installer dans ce village? Et si oui, combien à peu près? Et combien de familles sont arrivées dans votre village? Le peuple nouveau. D'accord, devant les juges d'instruction, c'est le procès verbal E3/5265, à la page en Khmer 0027139 6, en français 00482923, et en anglais 00282345. Vous avez dit que il y avait des déportations de gens dans votre village, à peu près 20 familles. Ces gens du 17 avril venaient de Phnom Penh. Est-ce que ce chiffre de 20 familles vous rafraîchit la mémoire? Est-ce que c'est à peu près ça? Pouvez-vous nous dire brièvement comment ils ont été logés une fois qu'ils sont arrivés sur place? D'accord, est-ce qu'on a construit des cabanes pour les loger par la suite? Est-ce qu'à un moment donné, entre 75 et 79, début 79, des familles du 17 avril ont fait l'objet d'arrestations et d'exécutions? Et je parle de familles parmi ces 20 familles dont vous nous avez parlé. Est-ce
mean đó chnam chất sắp bẩm phở nâng cứ sầm mây nâng đó chnam nâng kì mên phán ca bó sầm át bần tới sầm mây nâng khi nhóm mần bàn nơi đi khi nông phúm khi nhóm kì chặt ở tự thuê chung ca chngài bì phúm mần đẳng chì nẹ nạ khá đi Vous pourriez préciser à nouveau la date, j'ai entendu 1970, et je ne crois pas que ce soit correct. Est-ce que vous pourriez repréciser l'année durant laquelle cela s'est produit? Attendez que le micro soit allumé, s'il vous plaît. D'ailleurs, mien phan ka bo samat nou khnong chnam 77 nhóm đôi vẽ phần chất bằng phần con này chất bằng phần vous étiez par la suite un chef 500 personnes. Est-ce qu'avant cela, en 77, vous aviez assisté également à des réunions à la commune ou au district où on a parlé de ce plan de purge? Đôi khi nhóm chúng riêng kháng đàm ấy, chứ nằm những cái chặt tăng ở khi nhóm tới thuê chúng ta nơi chẳng ai bị phùm, nơi khi nông tất đây không có kỳ thông hay chúng ai bị phùm và hay chỉ một phê cái lô chiến cứ mình sợ, mình đại bàn tới màu thế tạch ná, rồi tập về ở biếng mà đó bàn màu phùm, ở đại bàn châu rùm chung thế. D'accord. Je ne pense pas que vous aviez dit combien de familles avaient été affectées par les exécutions. Est-ce que vous vous en souvenez? Hơi miên cửa xá, phải pram cửa xá. Et qui a procédé à l'arrestation de ces cinq familles, d'après ce que vous avez entendu? Et qu'est-il arrivé aux personnes qui les ont arrêtées? Mai nâng tam quarmin nát sọc đã kỳ mò pum đong đong kỳ tha kỳ hai tàu bê chung oi tên pum tmay. Rap tay lan chôn mặt đất tam đong bắn mặt đăng ký đất yêu tàu kỳ lạy ná. Je me permets à ce stade de citer ce que vous aviez dit devant les enquêteurs des juges d'instruction, E3-5265. En Khmer, c'était la page 00271396-97. En français, 0048-2923. Et en anglais, 00282345. La question qu'on vous a posée est la suivante. Qui était le chef de la coopérative et qui a emmené ces cinq familles pour les exécuter? Vous avez répondu. À cette époque, le chef de la petite coopérative était le nommé Heng et le nommé Lik était le chef de la grande coopérative. Ces deux personnes ont emmené ces cinq familles pour les exécuter. Par la suite, ces deux mêmes ont été arrêtés et exécutés à leur tour dans la même année 1977. Est-ce que vous confirmez cela? Mình hô hô với cả phân tích mình, còn việc đối
Est-ce que vous savez si ces deux personnes ou d'autres également ont été remplacés par des gens qui venaient d'autres zones? Justement à propos de l'autorité administrative de votre secteur, puis on va venir aussi au district, à la commune, qui, à votre connaissance, était le chef du secteur 42 en 1977 et 1978. Est-ce qu'il était membre de la famille de K-Pok? Plutôt, je vais reformuler. Est-ce que vous connaissiez K-Pok? Tout d'abord. Bien, avant Eun en 77-78, est-ce que vous avez connu un secrétaire du secteur qui était appelé Chan Mon alias Tol? Et savez-vous ce qui est arrivé à ce dénommé Tol? Bien, peut-être plus proche de vous, au niveau du district de Barai. Est-ce que vous souvenez des noms des secrétaires de district successifs, donc ceux qui se sont succédés entre 1975 et 1979? Et ce putsch venait-il lui-même de la zone sud-ouest? Est-ce qu'il y a eu des changements au niveau du quotidien des habitants de la région
une fois que les cadres du Sud-Ouest sont venus et, pour certains, ont remplacé les anciens cadres. Est-ce que vous avez noté des changements d'instruction, d'ordre ou de conditions de vie? ក្រោយពីការផ្លាស់ប្ដូរកម្មវិបាលពីក្រៅមកក្នុងស្របពេលនោះដោយមានសារាចរណែនាំរបស់បកមិនដឹងពីថ្នាក់ណាច្បាស់ទេគឺថាថ្នាក់800ចិត្តបានណែនាំលើកលែងទោសអ្នកភ័ន្តច្រឡំចូលខ្សែសីអាកាសិបេលើកលែងទោសគឺថាទុកជាប្រជារដ្ឋធម្មតាទាំងអស់គ្នាបងប្អូន Est-ce que cette instruction ou cette circulaire du parti avait une forme écrite? Est-ce que vous avez pu la lire vous-même? ខ្ញុំមិនដែលបានអានទេគ្រាន់តែពេលវគ្គដែលសម្រាប់ក្នុង10ថ្ងៃម្ដងនោះមេឃុំគេលើកពីសារាចរនឹងគាត់បានស្ដាប់អានមិនដែលបានអាន C'était une réunion à quel niveau? Est-ce que c'était à la commune ou au district ou au secteur? ប្រជុំនោះប្រជុំនៅកម្រិតណាក្រុមស្រុកឬក៏តំបន់ប្រជុំនោះថ្នាក់ឃុំគេទទួលបញ្ជាពីថ្នាក់លើដល់ពេលបើកវគ្គប្រជុំនៅពេលសម្រាប់10ថ្ងៃម្ដងគេប្រកាសជាទូទៅប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋប្រាប់អ្នកស្រុកទាំងអស់ដែលទៅធ្វើមិនទិញរួមវគ្គត្រូវតម្រូវឲ្យធ្វើក្នុងថ្ងៃសម្រាប់នឹង D'accord, est-ce que vous savez à peu près combien de temps avant la fin des travaux sur le canal vous avez eu communication de cette circulaire? ប៉ុន្តែបានស្ដាប់ការសម័យនឹងក្នុងវគ្គ10ថ្ងៃគេឲ្យសម្រាប់មួយថ្ងៃគឺទៅប្រជុំហើយអ្នកស្រុកហ្នឹងគេប្រកាសទាំងអស់គ្នាហើយក៏មិនចាំច្បាស់ក្នុងខែណាក៏អត់ចាំច្បាស់ដែរ Bien, je vais essayer d'identifier ce document avec vous. Et je voudrais maintenant, avec l'autorisation de la Chambre, remettre au témoin le document E3-763 et le faire afficher à l'écran, en tout cas, la page que je mentionnerai. Il s'agit donc d'un document daté du 20 juin 1978, émanant du comité central du Parti communiste du Cambodge. Alors, je pense qu'il faudrait d'abord afficher la première page où il y a le titre du document. Et je vais vous lire le titre, monsieur, vous l'avez sous les yeux. Il est le suivant. Les directives du comité central du Parti communiste du Cambodge au sujet de la politique du parti par rapport à ceux qui se sont ralliés par erreur à la CIA ou à ceux qui ont été des agents des Vietnamiens ou ceux qui ont rejoint le KGB pour s'opposer au parti, à la révolution, à la population et au Kampuchea démocratique.
Alors, monsieur le témoin, si vous regardez ce qui figure, ce qui est souligné dans ce document, il y a différentes catégories qui ont été distinguées. La première catégorie concerne les personnes qui sont entrées dans la CIA, qui se sont ralliées aux Vietnamiens ou qui ont rejoint le KGB entre 1946 et 1967. La deuxième concerne les personnes qui s'y sont ralliés entre 1968 et 1970, et la troisième entre 1970 et 1975. Alors le document pour ce qui concerne ces trois catégories de personnes, le parti dit qu'il ne les condamne pas. Mais uniquement si par la suite ils n'ont pas commis d'acte de trahison. Est-ce que vous vous souvenez de ces points-là concernant les personnes qui s'étaient ralliées aux ennemis avant avril 1975? Est-ce qu'on vous en a parlé dans ces termes-là lors de la réunion? ខ្ញុំມັນດັງທີກ່ອນຕາລືຕັກໄຊຊີອາມັນດັງຊິລົມໄວພອງກາຊີເບມດັງຊິລົມໄວມັນອັດດັງທີກ່ອນລືວິທາແນ່ໂຈອົາເລືອກແຫຼງໂຕເລືອກແຫຼງໂຕ Et juste une autre citation, une citation que je voudrais faire à propos de la quatrième catégorie qui a été établie dans cette circulaire. Il s'agit de ceux qui sont entrés dans la CIA, qui se sont ralliés aux Vietnamiens ou qui ont rejoint le KGB entre 1975 et 1978. Et on trouve cette catégorie à la page 2, je crois, dans chacune des langues. Je vais citer la première catégorie parmi cette quatrième. Première catégorie, on dit ceci à leur propos. Il s'agit de ceux qui ont continué à s'opposer au Parti communiste du Cambodge, à combattre le pouvoir révolutionnaire des ouvriers et des agriculteurs, à combattre le régime collectiviste et socialiste, à combattre le peuple du Cambodge, et enfin, à combattre le Cambodge démocratique lui-même. Ceux-là sont coupables. En effet, ils ont commis des actes de trahison avec intention, avec une position d'opposition absolue, avec une position de dévouement de tout cœur et de toute âme aux ennemis, qui étaient la CIA ou les Vietnamiens ou le KGB. Ces gens en question ont délimité très précisément leurs frontières. De ce fait, le Parti communiste du Cambodge doit les anéantir. Fin de citation. Est-ce que vous vous souvenez de cette catégorie particulière de gens? Thank you, Mr. President. It would be very helpful if the next paragraph would be read as well, because it says that I will do a court prosecution for any individual who stops to carry out the traitorous activity from this July 78 onwards and who tries to re-educate himself or herself, who makes his or her efforts in fulfilling the revolutionary duty, such individuals shall not be punished. ខ្ញុំសូមជំទាស់ចំពោះសំណួរចុងក្រោយនេះរបស់សហប្រញ្ញារងអន្តរជាតិដែលថាចម្លើយរបស់សាក់សីគាត់បានបញ្ជាក់ហើយថាគាត់បានដឹងពីខ្លឹមសារនៃអត្រាចរនោះច្បាស់ទេសូម្បីតែពាក្យថាការសេបេឬសេអាក៏គាត់មិនយល់ដែរដូច្នេះការសួរសំណួរបន្ថែមទៀតនេះគឺធ្វើឲ្យសាក់សីឆ្លើយស្មានតែប៉ុណ្ណោះបាទសូមអរគុណ
Monsieur le Président, si je peux d'abord répondre. Tout d'abord, il a bien dit que la directive lui avait été lue. C'est la première chose. Deuxièmement, je comptais effectivement venir à ce paragraphe suivant. Mais je voulais d'abord poser une question sur le premier paragraphe. Je n'ai pas eu le temps de poser ma question. Ce qui fait que je ne vois pas pourquoi il y aurait déjà une objection. Je n'ai pas encore posé de question sur le paragraphe que je viens de lire. Voilà, donc pour résumer, dans cette catégorie de personnes, il y a une distinction qui est faite entre la première catégorie dont j'ai lu l'extrait, des gens qui continuent à trahir, et une deuxième catégorie, c'est ceux qui renoncent à la trahison à partir de juillet 1978. Est-ce que, à l'époque, vous vous souvenez d'une catégorie de gens qui, selon le parti, devaient être écrasés ou anéantis, même après l'envoi de cette directive, parce qu'ils continuaient à s'opposer au parti? ក្រោយពីចេញសារាចរនឹងមកគឺថាមនុស្សដែលប្រធានមុខព្រួយមួយមួយតែធ្វើខុសគោលការណ៍គេគឺថាគេនៅតែចាប់អីប៉ុន្តែគេលើកលែងទោសជាបរិវត្តឲ្យមានសិទ្ធិសេរីភាពលើសពីកាលដែលពីមុនចេញសារាចរនឹង Et pour en terminer, je n'aurai pas le temps de couvrir d'autres sujets. Donc, est-ce que après l'émission de cette circulaire, vous avez vous-même constaté qu'un ou plusieurs cadres de votre commune ou du district ont été arrêtés, effectivement? D'accord, mais pouvez-vous nous dire de quoi avez-vous entendu parler exactement concernant ces arrestations qui ont eu lieu après l'envoi et la communication de cette circulaire? Merci, Monsieur le Président. Étant donné les contraintes de temps, je m'arrête là. Merci. Merci. បាទសូមអរគុណលោកប្រធានសូមគោរពអង្គជំនុំជម្រះទាំងមូលហើយសូមជំរាបសួរលោកសាក់សីនៅពេលនេះខ្ញុំបាទឡៅជន្ទីហើយជាមេធាវីតំណាងដើមដឹងរដ្ឋបាលវិនិច្ឆ័យមកពីអង្គការជំនួយផ្នែកច្បាប់នៃកម្ពុជាសូមជំរាបសួរបន្ថែមនៅវ័យដែលលោកបានទទួលនៅព័ត៌មាននៃការចងចាំដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ 1979 សំណួររបស់ខ្ញុំគឺចង់ផ្ដោតទៅលើថា
តើនៅជិតតំបន់របស់លោកហ្នឹងតើមានមន្ទីរសន្តិសុខមួយដែលឈ្មោះហៅថាសារិកាកែវហ្នឹងដែលអត់ទេតើលោកមានបានដឹងព័ត៌មានហ្នឹងទេបាទ ខ្ញុំ មិន ដឹង ទេ ពី ព្រោះ នឹង នៅ ក្នុង ឃុំ របស់ គេ គឺ ឃុំ ចាំង ដើម ខ្ញុំ អត់ ដឹង បាទ អរគុណ ចំណុច មួយ ទៀត ថា តើ នៅ ពេល ដែល លោក បាន ទៅ លើក បន្លាយ នោះ តើ មាន បាញ់ មិន គេ សួរ ថា តើ មាន ប្រតិភូ បរទេស អី ទៅ ទស្សនកិច្ច ដែល ទេ លោក ថា អត់ មាន ទេ ប៉ុន្តែ លោក បាន ឆ្លើយ ថា មាន គណៈ តំបន់ ឬ មួយ គណៈ ស្រុក ឲ្យ ចុះ ទៅ ត្រួត ពិនិត្យ ទី នោះ ខ្ញុំ ចង់ ដឹង ថា តើ គណៈ តំបន់ គណៈ ស្រុក នៅ ពេល នោះ ដែល បាន ចុះ ទៅ នោះ គាត់ អាច ស្គាល់ ឈ្មោះ ពួក គាត់ ទេ បាទ ឧបមា អត់ ឆ្លើយ តប លោក សាក់សី គណៈ តំបន់ ដែល ចុះ ទៅ ត្រួត ពិនិត្យ នឹង ឈ្មោះ អឿន ឯង ហើយ នឹង គណៈ ស្រុក មុន ដំបូង ឈ្មោះ មូល ដល់ ទី 2 ឈ្មោះ ពូច ស្គាល់ ប៉ុណ្្នឹង ឯង បាទ អរគុណ មួយ ទៀត ថា តើ នៅ ពេល ដែល លោក ថា លោក ជា ប្រធាន កង នៅ ទី នោះ តើ នៅ ពេល ដែល គេ បែង ចែក ការ ងារ ឲ្យ ធ្វើ ការ បែង ចែក ការ ងារ ឲ្យ ធ្វើ នោះ តើ ការ បែង ចែក ការ ងារ នោះ គេ ដាក់ កំណត់ រយៈ ពេល មួយ ថ្ងៃ ឬ មួយ គេ ដាក់ កំណត់ យ៉ាង ដូច ម្ដេច ឲ្យ ការ ងារ ធ្វើ ទៅ អ្នក ដែល លើក ទំនប់ នោះ គឺ គេ កំណត់ ពេល ពេល ព្រឹក គឺ ម្ដង ល្ងាច ម្ដង ប៉ុន្តែ ក្នុង មួយ ម៉ាត់ គីម នឹង គេ គិត ក្នុង មួយ ថ្ងៃ មក ព្រឹក គឺ កន្លះ មួយ ម៉ាត់ កន្លះ ម៉ាត់ គីម ល្ងាច កន្លះ ម៉ាត់ គីម ចុះ ពេល ដែល ធ្វើ ការ ហើយ នៅ ពេល នោះ គឺ បែង ចែក របប អាហារ តើ របប អាហារ ក្នុង មួយ ថ្ងៃ នឹង យើង បាន ទទួល យ៉ាង ដូច ម្ដេច ណា ក្នុង របប អាហារ ដោយ ខ្ញុំ និយាយ ខាង ដើម នឹង មិន បាន គ្រប់ គ្រាន់ ទេ គឺ ពេល ព្រឹក ហូប បាយ ងេច អបអ បាញ់ មិញ បាន លើក ឡើង ពី ស្ថានភាព អនាម័យ ដែរ ខ្ញុំ ចង់ ដឹង ថា តើ អនាម័យ នៅ ទី នោះ ដូច មាន កន្លែង អី បត់ ជើង បត់ ដៃ អី ត្រឹម ត្រូវ ដែរ អត់ ទេ កន្លែង អនាម័យ បត់ ជើង បត់ ដៃ គឺ ជីក តាម វាល ស្រែ បាំង ធាង ថ្នោត 2 ធាង ឬ 3 ធាង គាន់ ប៉ុណ្្នឹង ដល់ ពេល ធ្វើ យូរ យូរ ទៅ វា ពេញ ទៅ ក៏ ទឹក ភ្លៀង មក ខ្លាំង ចូល ទៅ ក៏ គ្មាន គឺ ឈប់ ប្រើ ទៅ ដើរ ទៅ តាម កពោត ដាក់ អី ទៅ បាទ អរគុណ ចំណុច មួយ ទៀត ឯ ពាក់ព័ន្ធ ថា មាន អ្នក ជំងឺ ឈឺ ឯ លោក អម៉ាញ់ មិញ បាន លើក ឡើង ថា មាន ពេទ្យ ដែរ ប៉ុន្តែ ពេទ្យ ហ្នឹង ម្ដង ម្ដាល 4-15 ថ្ងៃ ហ្នឹង គឺ ឲ្យ មក ចាក់ ថ្នាំ ចាក់ អី ខ្ញុំ ចង់ ដឹង ថា តើ នៅ ពេល នោះ គេ ចាក់ ថ្នាំ អី ដែរ
thnam neu samai nu chran ke pra thnam chamranh pi thomachit hai ke chrok do tak kroy bat plastic hai ke tha be du be ong ai khom ko mon sko hai mon nang thnam na ka pi rok na ko khom ot dang dae ka samai nu kwan mien pa nang ai ba thnam lep mien ta thnam chamranh pi thomachit dae khlas po khmau te khlas po hôm tới mua mua đôi khi ông gì khăn đào mới đôi ảnh xài từng tới hồi lễ hồi khi ông mình nhẹ trong niên khăn vẽ ở đằng đấy tam ca sự kiện ở bồn lục thật táo cả prà tháng năm nắng miên bật sự tập hiệp tại rồi tiền tam ca pratnam nung chuột cá phi chạ tới khắc có chia tới khắc có ăn chia tới lép nhờ khắc bung chọc pua tới lép tới bạt tới khắc có ăn mặn mình tiền mình được sự tập hiệp đồng thật ta nơi pin nút và chi chun là từ lược từ nục nơi tin nút còn miền sạch chiêm dạng đường đánh đá nơi sao mai nụ và cả hộp chọc mình cục còn hơi sạch chiếm có mình chỉ thoát mình nói thế cứ score còn mình thoát thế lúc ban lực lang tha miền lúc club châu từ viện sắc xa riêng sâu thì chúng ta viện sắc xa riêng sâu làm pi ở quầy đấy mà vẹt sắc xa riêng sâu đôi nhóm lớn với khăn đàm để ta riêng mình riêng tất nhóm cứ riêng tăng phụ trí chốn tăng nhóm về vẹt nông mùi nông đọc tháng ấy kê ai xâm ra thôi mùi tính sử dụng lạc tập hóa vì lớn với con thẩm bát con bị bắt khá riêng sâu đôi tập bên này ta nơi nông phiên lúc cái ban bị chia rồi mỗi cái đạp hành ca ao lúc đã chia bị thiên con nơi phiên lúc ao ăn ở quát rồi mỗi dạng mày nơi phiên lúc kê bậc ca chỉ tu tới ôi bà thiên mục rùi mùi mùi lực sử dụng là tập hồ hỡi dưỡng kê chùm rùi dưỡng ôi tập tuôn phàn ca thuơ ôi xâm rạch phàn ca rồi bọc phẩm nọt để bạc đạc ôi thuơ nhưng chô từ nông bạc bọn mùi tiết thật ta lục bàn đăng tế nơi tín nụ tha dụ chân dụ mà viện rí phải chỉ tràn nhẹ hay chậm pu cầm lốp cứ trầm rồi nhẹ ta miên bị thi riệp ca nơi tin nục đại ở đây bị thi riệp ca sao mai nó cứ miên bạn ta kê mình đại riệp ca nơi cái lai cả thàn tế kê vô tờ riệp ca nơi mình tì khống rứ cái lai mình tì vọt để đôi cái lai xoắn thì sốc nó có kê thlọc vô tờ riệp ca để cái lai hỏi một đón bị đọc cú tờ phạm đọc cú mấy tụi bì nó mô âm nạc đàm 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 đi cô bày pra pra pê bê liê tờ phạm nơi tì chết bàn hơi
ហើយបញ្ជាក់ថាឲ្យអង្គជំរះប្រឹងប្រែងដើម្បីបញ្ចប់ការស្ដាប់សក្ខីកម្មសាកសួរនេះហើយរុស្ស៊ីនេះអង្គជំរះមិនមានលទ្ធភាពធ្វើសកម្មភាពលើកពី រៀបការសំណួរខ្ញុំមួយដែលពាក់ព័ន្ធនេះគឺថាតើអ្នកដែលគូកងឬមួយអ្នកដែលចូលក្នុងរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ហ្នឹងគាត់ត្រូវរើគ្នាឬមួយយ៉ាងដូចម្តេចរៀបការគឺការកំណត់របស់មេភូមិគេធ្វើប្រវត្តិរូបឲ្យស្របគ្នាបើមិនស្របគេមិនឲ្យការ ຈັ່ງຕໍ່ຕາປະຫວັດຕະຮູບເວທີກະສິກໍກະສິກໍໂດຍຄືນີ້ພວກນະວັນນະຖະເລືອຖະເລືອໂດຍຄືນີ້ກ້ອມໆໂດຍຄືນີ້ນັ້ນສາຍເມຍພູມນັ້ນໄປຖືເອົາໃຫ້ເມຍຄົມໄປສໍາຫຼາດເອົາຮຽບນະດາທີ່ຮຽບການນັ້ນກໍຍົນພ້ອມຄືນີ້ຫຼືຫມູ່ອັນ មានគូខ្លះយល់ព្រមគូខ្លះមិនយល់ព្រមគ្រាន់តែគោរពផែនការនឹងប៉ុន្តែពេលការរួចទៅមិនចោះសម្រងគ្នាក៏មានលោកមាញ់មិញលើកឡើងថាមានការធ្វើប្រវត្តិរូបតើនៅក្នុងភូមិរបស់លោកពីដំបូងមកគឺថាមានអ្នកជំនាញចូល តើពេលអ្នកជំនាញចូលមានធ្វើប្រវត្តិរូបដែរអត់ទេអ្នកជំនាញក៏អញ្ចឹងដែរអានេះដាប់ទៅតាមសបីខ្លួនគេសងខាងហ្នឹងបើគេថាចម្លើយមកឲ្យគេប្រធានភូមិគេសួរថាបើមកពីភ្នំពេញដូចគ្នាគេអនុញ្ញាតឲ្យយកទៅ តើគេកំណត់យ៉ាងម៉េចដែរបងប្អូនជួនជាតិចាមក៏កំណត់ដូចគ្នានឹងពួកពីមកពីភ្នំពេញដែរជួនជាតិចាមគឺយកជួនជាតិចាមគេមិនដែលបង្ខំឲ្យជួនជាតិចាមយកខ្មែរទេបាទសូមអរគុណលោកធានសូមអរគុណលោកសាសន បាទអរគុណឥឡូវនេះដល់ពេលសម្រាប់ហើយប្រកាសសម្រាប់ចាប់ទៅពេលនេះទៅទៅរហូតដល់ម៉ោង2កន្លះសូមអញ្ជើញចូលវិញដើម្បីបន្តកិច្ចសម្ដែងការសម្ដែងការមន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការរំលោភរដ្ឋកន្លែងសម្រាប់នៅបន្ទប់រងចាំរមាក់ប្រាក់ស័យនិងអ្នកជំនាញដល់តាក់ស័យរូមីនៅក្នុងឡុងពេលជុំសម្រាប់នឹងអញ្ជើញគាត់មកកាន់កន្លែងផ្ដល់សេចក្តីកម្មនៅក្នុងបន្ទប់សម្ដែងការនេះនៅវេលាម៉ោង2កន្លះសម្រាប់ចុះសូមអញ្